Donc, toujours à l'hôtel Batelier, nous sommes avec le sélectionneur de la Martinique, Mario Bocani. Donc, Mario, déjà, est-ce que tu es satisfait de ton groupe? Oui, ça va. C'est, tout le monde est là. Avec qui le reçu, par exemple, Louis Pascal, qui a une petite couleur. C'est les petites choses à gérer. Et puis, après, ça, tout le groupe est présent, avec beaucoup d'envie, de trouver à l'entraînement hier soir. Et puis, avec aussi cette motivation de faire un résultat pour qu'on puisse obtenir une qualification. On va parler des nouveaux joueurs, parce que j'ai vu que tu as appelé François Moutinov, Emmanuel Bouffier. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Alors, François Moutinov? Alors, on commence par François. Je sais que c'est un sujet appelé Bouffier. C'est dans une initiative pour, à un moment donné, des choix qui sont faits. Polémique, ça c'est les gens qui connaissent pas un petit peu l'intérieur de comment on fonctionne, quelle philosophie. Donc, même des coachs m'ont dit que pourquoi pas faire une ouverture sur un jeune. Je crois qu'à un moment donné, on est sur un match coup près, on a besoin de se qualifier. J'ai eu Francis Adon, on a discuté, je lui ai dit si j'ai besoin de toi sur ce match-là, est-ce qu'à un moment donné tu pouvais prendre la cette demande-là, sachant que forcément c'est pas un choix dans la durée et qu'on discute avec lui. Donc lui, il n'y a pas de problème, mais au contraire, c'est un joueur qui a toujours été prêt à répondre le football martiniquais et qui répond très positivement à cette invitation. Donc ça c'est une première chose sur Francis Adon. La deuxième chose c'est sur Emmanuel Vivien. C'est vrai, comme je disais à Manu, après 15 ou 16 ans, il pourra de nouveau porter le maillot de la sélection d'Avant-Sénique. Manu, il a eu 14 ans et puis il n'a jamais eu l'occasion de porter le senior. Donc c'est bien pour nous, c'est bien pour lui, mais c'est bien pour le public martiniquais aussi de voir quand même un martiniquais qui fait des sacrées carrières professionnelles et qui peut jouer pour sa sélection, pour son pays. Mario, je vais rester sur Emmanuel. Est-ce que pour la bloc de 19, vous n'êtes pas. C'était, est-ce que c'était un choix? Je ne vais pas le mettre dans le sens. Non, parce que c'était compliqué aussi de voir tout ça. Je crois que. Avec le recul, on peut se poser. Ouais, non, j'ai dit que des fois c'est compliqué d'avoir les joueurs pour pas tout le temps des clubs sont pas tout le temps. Tout ça, à manière de se remettre un petit peu en route. Mais je crois qu'il ne faut jamais blâmer le contrat. On a déjà la chance de l'avoir déjà dans l'effectif avec lui maintenant. Donc, il faut bien apprécier ça. Et parce qu'on connaît la qualité de Manu, donc de manier avec Jonas, c'est très bien. D'accord, donc on va parler aussi de l'entraînement de ce soir. Donc ça se passe comment là ce soir? C'est le projet puisque le match est jeudi. Oui, l'entraînement, on devait de match, l'entraînement cool, avec Pierre-Huit, animation directif, l'animation prof, éventuellement. Et je crois que voilà, très cool, mais il faut qu'il soit très précis et puis qu'il reste tout le monde concerné. Est-ce que tu peux dans quel dispositif que tu préfères? On a deux dispositifs que tout le monde connaît, 4-2-3-1 ou 4-3-3, donc on va choisir. Et que le start, tranquillement, en fonction aussi des qualités de nos hommes et de ce qu'on a à faire. Bon, on aura un choix à faire, puis on le fera. Et on rappelle donc que ce match est bien. En fait, c'est un match important, il faut gagner. Pour ne pas se poser des questions sur la manière que Honduras va jouer Trinidad, mais normalement Honduras doit jouer ce match à fond chez eux contre Trinidad, puisqu'il y a les points FIFA en jeu. Donc, et au cas où ça dérapait, on a le match 1 où on aura les barrages. Oui, il y a ça aussi, mais je crois qu'on a la possibilité, on a les cartes, on est chez nous, ça nous d'aller chercher le résultat. Et après, c'est vrai que sans se soucier de. En mettant la pression sur Trinidad, puisque voilà. C'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Ce qu'on a à faire, c'est notre job, c'est notre boulot de chercher notre qualification. On a eu une confrontation de Trinidad sur laquelle qui a été à notre avantage. Et donc, à nous de continuer à faire la différence chez nous pour forcer Trinidad à faire un bon résultat en US. Ok, donc, maman est là, nous capables d'être rendez-vous des mots au souhait. Et puis, Mario Bocani, et puis tout staff, supporter Vladan TV. Il faut que nous venions de le match à 21h, stade de Dinon. Mario, quel message vous pouvez passer par le public là? Eh bien, je dit, vous venez supporter nous en masse, parce que nous avons joué contre la nation, mais c'est important que tout le monde vienne pour nous faire cela. Ok, donc c'était Vlad au TV et Mario Bocani. Donc, je vous dis à des mots au souhait. Je vais vous dire à l'autre soleil.